Coucou les Alpiens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette salée. On va voir ensemble ma recette de frites 100% diététique et saine. Donc pour cela, on a besoin de pommes de terre, d'huile d'olive et une épice, le paprika. Donc ici, j'ai taillé mes pommes de terre en frites, surtout de façon régulière, ça facilitera la cuisson. On va les cuire au four après. Je les ai disposées sur ma plaque. Ensuite, je vais y verser un filet d'huile d'olive, l'équivalent à peu près d'une bonne cuillère à soupe. Faites attention, ce qui fait ce côté luisant sur la plaque, c'est aussi la pomme de terre qui rend beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il faut bien mélanger les frites avec l'huile. Donc je mélange bien, surtout. Ensuite, je vais mettre mon épice, le paprika. Donc on en parsème un peu partout, pas trop non plus. Après, pareil, avec les mains, je vais venir mélanger pour qu'il y en ait un peu partout aussi. Et ensuite, je viens les disposer correctement mes frites, surtout bien à plat, pour pas qu'ils se superposent, ça facilitera la cuisson, sinon ils vont pas être cuits en dessous. Donc ensuite, j'enfourne à 170 degrés pendant environ 20 à 30 minutes, selon les fours. Donc faites attention, ce qui donne aussi la coloration des frites, c'est le paprika, donc ne croyez pas que les frites sont trop colorées, c'est le paprika qui donne cette coloration. Et voilà, c'est sorti du four. C'est un délice, les frites sont super moelleuses et sont encore meilleures qu'à la friteuse. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires si vous avez réalisé la recette. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous êtes intéressé à ma chaîne secondaire L'Univers de la Pâtisserie. Vous retrouverez tout ce qui est autour de la boutique. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à vendredi prochain pour une recette sucrée. Bisous!